Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul action. C'est le premier de la chaîne et il y en aura d'autres à venir étant donné que... Merci Bibou. Donc il y en aura d'autres sur la chaîne étant donné que le premier action, Damien a ouvert ses portes. Donc c'était le jeudi 7 septembre, j'y suis allée le lendemain. Et le mois prochain, à partir du 15 octobre, ouvre le second... dans la zone d'Amiens-Nord. Donc voilà. Donc, c'est la première fois que j'allais à l'action, personnellement, parce que avant il aurait fallu que j'aille jusqu'à Beauvais ou Doulan, il me semble, pour pouvoir y aller. Mais étant donné que j'ai 15 jours de repos, j'ai déjà mes courses à faire ce jour-là. Voilà. Si je veux me reposer un minimum, non. Voilà. Donc j'en ai eu pour 32,84€. Donc j'ai mon ticket, donc je vous mettrai les prix à l'écran parce que sinon je vais rechercher à chaque fois, ça va être casse-pied. Donc vous aurez les prix à l'écran. Tout est mélangé comme d'hab. Donc je vais prendre ce qui vient et puis voilà. Hein, tout d'abord au rayon loisirs créatifs, je me suis pris des stickers alphabet. Donc de deux styles différents. Ça va briller. Ouais, c'est chiant. Comme ça, donc voilà, dans deux teintes différentes. Ça, j'ai pris ça pourquoi? Bah pour mon bullet journal, mais pas que. Je pense que quand dans l'album de Bibou ou autre, ça pourrait être pas mal. Donc, ça, je serais amenée à racheter, je pense. Je les ai trouvés super jolis. Il y en avait encore d'autres, donc voilà pour ça. Je vais peut-être vous montrer un peu plus près. Donc, sur les bleus et verts, il y en a certains qui ont des boutons. Voilà. Et les roses bleues qui eux ont des petits strass, quoi. Voilà pour ça. Ensuite j'ai pris des petites cuillères plastiques, donc sans bisphénol. Ouais, c'est ça. Donc pour Bibou, parce que bon, voilà, on n'en a pas assez. Trois en plus. Ensuite, encore pour Bibou, je lui ai pris un petit joujou, voilà, des jouets en bois avec plusieurs faces. Donc là, vous avez les animaux de la ferme. Il n'y a pas que celui-ci, il y en a d'autres, j'ai vu. Bon, il n'a pas encore l'âge, mais je pense qu'il va déjà pouvoir jouer avec. Voilà, vu que c'est du bois, voilà, ça sera plus facile à un coup de lingette désinfectant dessus, vu qu'il met tout la bouche. Mais enfin, je pense qu'il va déjà pouvoir jouer un peu avec. De là à former des animaux, je pense pas, mais voilà. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des éponges contact, donc voilà, je vais tester celle-ci. Donc j'ai pris la noire, hein, celle au charbon. Donc à voir, elle était pas très chère, je crois que c'était 89 centimes, un truc dans le style. Donc à voir si ça équivaut celle d'AliExpress, ça m'évitera de commander sur Ali. Quoique sur Ali, elles sont peut-être moins chères, ou guère moins chères. Donc je verrai bien ce que ça donne. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris un baume à lèvres. Donc celui-ci, c'est à la vanille. Parce que là, j'en ai des, chez Eva Beauty Excess. J'en ai ouvert un au raisin, mais je suis pas fan. Donc voilà. Et j'ai bientôt fini mon lave-vélo que j'ai sur mon bureau. Donc. Et là, le froid revient, donc je vais en avoir besoin. Donc c'est de Max & More. J'ai pas vu beaucoup de produits Max & More. J'ai pas vu tout ce qui est palette de maquillage ou autre, j'ai pas vu. Il y avait pas. Il y avait déjà plus, je pense. Parce que bon, il y a eu un monde pas possible. Déjà, de faire deux fois le tour du parking pour trouver une place, attendre que quelqu'un s'en aille pour pouvoir se garer. Du coup, Bibou, il pleure. Il est un petit peu malade. Il est en train de me refiler son petit rhume, donc il est un petit peu grognon. Donc voilà pour ça, je verrai bien ce que ça donne. Ensuite, je me suis pris du washi tape de ces teintes là. Donc vous avez différents formats, tout fin au plus large. Donc ça c'est pareil, ça sera pour le bullet journal. J'avais hâte de faire la vidéo pour pouvoir les utiliser en fait. Donc voilà. Donc 4 x 3 mètres. Donc ils sont très jolis ceux-ci. Il y avait du choix. J'ai pris aussi ceux-ci. Donc ceux-ci 3
C'est en métallique. Voilà, ça brille. Il y a Bella qui gratte à la porte, bordel. Ensuite, j'ai pris des stickers en 3D. Ça, c'est pareil, ce sera pour Boulette, je pense. Ils sont trop choux. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris le gel de bave d'escargot là. Je voulais tester, il en restait, donc ça je vais peut-être essayer ça le soir. Je vais voir. Bon, ça m'intriguait, donc je voulais tester. Ensuite, j'ai pris de l'adoucissant. Donc c'est la marque Silan Harmony, donc pour 40 lavages. Donc à part. On verra bien. Vous en direz des nouvelles dans les produits terminés. Ensuite, j'ai trouvé des lingettes pour mains et visage, donc pour bébé. Parce que moi, je l'utilise pas mal en ce moment. Et celles-ci sont vraiment pas chères, donc je vais voir s'il supporte, si ça lui convient. Ça sera une économie de plus. Ensuite, je me suis prise des Charlotte. Parce que bon, j'essaye d'espacer mes shampoings, mais clairement. Vu que je me lave tous les jours, hein, mais si je protège pas mes cheveux, et ben l'humidité ça devient tout bizarre, tout bleu. Donc voilà, je me suis dit peut-être que si je mets ça, je vais avoir l'air fine avec ça, ça va être magnifique. Mais bon, voilà, je vais tester, je verrai bien. Puis ça peut toujours me servir quand je fais mes masques ou autre. Voilà, pour pas m'en foutre plein les cheveux. Ensuite, j'ai pris une planche de stickers, moi moche et méchant. Voilà, donc pareil, ça sera pour le Bulette et puis pour Bibou. Hein. Voilà. Donc ils sont trop mignons. C'est des mignons en même temps. Ensuite, je me suis pris un recoupe-cil parce que le mien, il est encore bon, mais j'ai plus les recharges de plastique là, les caoutchouc. J'en ai pas recommandé, donc... Je vais tester celui-ci, puis je vais commander des... Bella, sauve-toi! C'est chiant, je supporte pas que les portes soient fermées. Je vais me recommander les caoutchoucs sur Ali. Bientôt, et puis voilà. Donc, à tester celui-ci. Je conserve tous les jours du recours de film. C'est pas perdu. Ensuite, je me suis pris... un tube de crème pour les mains, donc à voir. C'est au beurre de chia et à l'aloe vera, donc je verrai bien. J'aimais bien le packaging, voilà. J'avoue. Mais bon, là, ça va être l'hiver, je vais en utiliser pas mal. Donc j'ai pris aussi des tenders, donc au lait et noisette pour goûter. Voilà. À chaque fois que Hélène Elsel fait une vidéo ou qu'elle va accéder, elle en prend. Je me suis dit, je vais tester. Pour Bibou, j'ai pris une petite paire de chaussons donc en 2021. Par contre, il est à la maison, on a vu que ça trotte. Et, ça sera mieux que les chaussettes. Il commence à faire frisquet. Voilà. On écrit Mommy Hero dessus. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris des petits élastiques, voilà, comme ceci, mais bon, j'en ai déjà testé d'AliExpress et ça m'arrache les cheveux quand même, et ça tient pas plus que ça. Mais bon, je vais tester, ils étaient pas très chers, donc voilà. Ensuite, j'ai pris un petit peignoir tigre pour Babibou, hein. Pareil, c'était pas très cher. Et pour le soir, quand il est à la maison après le bain ou autre, voilà, pour pas qu'il ait froid avec son pyjama, ça sera très bien. Il est trop mignon là-dedans. Ensuite, j'ai pris un dentifrice Oral-B Pro Expert, donc Premium Protection des Gencives. Celui-là, on l'a jamais testé, donc ça à la menthe. Donc on verra bien. Il me fallait un dentifrice. On verra ce que donne celui-ci. Vous en aurez des nouvelles dans les prochains produits terminés. Enfin, peut-être pas les prochains, mais prochainement. Et ensuite, ah ça, je ne l'ai pas pris à Action, mais à
à géant. Il fallait que je me refasse une cure. Donc j'ai pris les forcs à piles qui sont en promo en ce moment. Et je l'ai eu à 13-14 euros. J'ai encore eu 20% en plus de la promo. Donc voilà, là je suis partie pour quelques mois. Et il va falloir que... Ouais, j'en ai pour 4 mois là. Donc c'est cool. Il va vraiment falloir que je m'y mette. Et... Parce que là ils en ont grand besoin. Donc j'allais les faire couper, mais je vais pas encore avoir le temps ce mois-ci. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai réussi à faire rapide. J'espère que ça va aller au montage. Et je vais aller voir le petit parce que... Papa, il doit en avoir marre. Donc je vous fais des bisous et je vous dis donc à bientôt. Et vidéo, la action, vous allez en avoir régulièrement maintenant. Et prochainement, il y aura peut-être nos aussi. En plus, étant donné qu'il y en a un normalement qui va ouvrir, 15 octobre aussi à Amiens-Nord. Vu qu'à Amiens-Nord, il va y avoir plein de magasins qui vont ouvrir, ça va être bien pour moi sur le temps de midi. Je me ferai moins chier. Mais bon, ça va être moins bien pour mon porte-monnaie. On verra bien. Bon, je vous fais plein de bisous et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Bye bye.